Et salut à tous, c'est TitoGoFet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo RTA. Ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de vidéo RTA, forcément je n'ai plus joué depuis 2 semaines. Ce qui veut dire que cette vidéo va être super intéressante puisqu'on fait des drafts un petit peu. Olé, olé. Mais t'as vu, on est quand même monté dans le G3. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc j'espère que cette petite vidéo te plaira. Si c'est le cas, bien n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et nous, directement, on est parti avec mes petits replays du jour. Et du coup, quoi de mieux que commencer contre Sobster, donc un mec que je ne peux pas outspeed et qui a vraiment beaucoup de runes, beaucoup d'artefacts très difficiles à battre. J'essaie de prendre Ragdoll contre lui très vite parce qu'il prend une Etna. Et ici, je prends un petit robot en triple Nemesis. Voilà, donc je me dis que là, bah, on a le premier tour. Enfin, on va cut plutôt. Il est obligé de faire son skill 3 et on a gagné. Donc là, il fait qu'un skill 1. Voilà, donc on joue, on cut, on peut faire skill 2, hop, et on va pouvoir juste faire skill 2, skill 3 avec le robot. Bon, il... heureusement, voilà, il ne one-shot pas mon robot. En vrai, il pouvait peut-être me le one-shot avec un skill 3, il ne le fait pas. Donc il va juste perdre directement, en plus on arrive à stun directement la Tomoe, et il va live instant la game. Deuxième petite game, first pick Yonan. Contre ça, vous savez que j'aime bien prendre Vanessa, donc pour pouvoir tanker la nuke monohit, ce qui se passe souvent contre... Quand on tombe contre quelqu'un qui fait du first pick Yonang, c'est le cas ici. Voilà, on fait la pick Sagar, il va ban mon contest au speed, je ban le Megang ici en me disant qu'en fait la Janna, bah, je suis obligé, hein, pas le choix. Il va jouer le premier, il va quand même pouvoir me one-shot du coup à l'open ma Janna une première fois. Voilà, et là il va faire un petit grid, c'est-à-dire qu'il va faire skill 2 ici, pas réussir à me strip. Alors que bah, perso j'aurais été lui, j'aurais juste été tuer la Janna, honnêtement, il l'aurait tué à 100%, je comprends pas ce qu'il a fait. Donc, forcément bon, on rate la bombe, on va mettre la stun. Là, bah, il la perd à stand, hein, voilà. On passe Mito, il a fait une petite erreur. Je vois ce qu'il voulait faire, il voulait avoir le boost ATB, il tuait la Janna avec une bombe, parce qu'il mettait une bombe avec sa Syra, et j'avais tout le monde qui était CC, le Sagar qui se faisait contrôler, l'immunité partout, j'avais perdu aussi. Mais bon, il a grid, et il a perdu là-dessus. Alors ensuite, draft suivante, ça passe sur First Pick Syra. First Pick Syra, je trouve ça vraiment fort. À nouveau, je passe sur Vanessa, petit Devaraja. Et là, il prend Oliver, assez étonnant. Donc je pars ici sur un petit ouais, double cleanse, petit Veromos. Je banne le détonneur de bombe en me disant que j'ai du cleanse dans tous les cas. Et là, c'est juste une contre la montre, tu vois. Donc là, on va se faire cesser à l'open. Je pense qu'il va rater. Voilà, il va en rater un. Très bien. Il va me cesser tout le monde. Tranquille, tranquille. Voilà, on n'a pas le proc sur notre, malheureusement, Nikki. Mais on a le proc sur Devaraja. Du coup, on peut aller cesser. On va rater sur la Janna, ce qui n'est pas de chance. Parce que la Janna, on aurait bien aimé la reset. Là, bah écoutez, à ce stade-là, on est... pas si mal que ça, bon il proc violent, il se libère très vite du coup de l'étreint de mon Devaraja. On va proc avec notre Eleanor à notre tour aussi, il a proc évidemment. Donc on peut clean, notre proc est évidemment beaucoup plus clutch que le seul, le Sia pardon. Et là sur ça de là on veut juste voilà aller sur cette Janna qui on remarque est extrêmement squishy. À mon avis c'est un Vio, elle a 25 000 HP, elle se fait soulever, elle est peut-être auto-crit. On va juste full la focus, on dit que dès qu'elle est morte on va se gagner parce que c'est elle qui cessait. Elle récupère très vite ses CD puisqu'elle a skill avec son skill 2. On va tout mettre dessus. Pouf. Voilà. On va essayer de la tuer. On va y parvenir. Et à ce stade-là, il n'a plus du tout les dégâts pour me passer. Voilà, on a nos spells prochain tour. On a le sleep. Du coup, on peut juste heal. Mais bon, c'était pas utile. Et à ce stade-là, bah voilà, c'est gagné. Devaraja va pouvoir recesser tout le monde à nouveau. Voilà. Hop. Bon, le skill 3 ici. Skill 4 plutôt. J'ai pas besoin de le faire sur le Devaraja. Je le fais for fun. On fait le skill 3 avec Nikki. Et c'est gagné. Ici, une game assez tricky. J'avoue que la Janna, très menaçante contre moi ici. Mais on avait pas mal de cleans. Alors ensuite, on tombe contre Mina. Mina qui va first pick ma Janna. Voilà, il a droppé Janna, ce petit loulou. Du coup, bah, on CD, je prends un gang. Il part sur un Chandra Sagar. Donc moi, je décide de partir sur une Juno qui est plutôt pas mal contre ça. J'aime bien. Juno, j'aime bien contre Janna. Petit Ragdoll. Et on banne le Egang de son côté. Forcément, moi, je banne la Janna. Je savais qu'il allait ban, évidemment, le Egang. Donc on joue premier. Ah, et d'ailleurs, pour la petite histoire, cette game-là, en fait, j'ai crash. Et ça a joué tout seul, et regardez l'IA parfaite, hein. Voilà, ça a fait IA parfaite, exactement comme je voulais jouer, mais j'ai craché en fait. Je vais vous dire exactement quand je suis revenu dans la partie, mais pas encore maintenant. Là il va me reset mon Ragdoll, pourquoi pas, voilà. Et voilà, là tu vois du coup, j'ai toujours pas Reco, et c'est voilà, c'est maintenant que j'ai Reco, voilà. Là, avec mon skill 3, là j'ai Reco. Et la game était comme ceci, en fait, elle était déjà terminée, je suis là, wow, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tous les spells ont fait, tous les mobs ont fait leur spell. Alors du coup, tu vois, la game, je pense qu'elle a été gagnante de base pour nous. En fait, la seule chose qui aurait pu différer et rendre la combat un peu plus compliqué, c'est que si son ange avait haute speed. Heureusement, son ange haut était pas super rapide. Et du coup, le Eshir sans lead speed a pu haute speed. Ce qui a fait qu'on a pu prendre l'initiative dès le début de la partie. Alors ensuite, first pick Vanessa de mon côté. Je me dis pourquoi pas. Vous savez qu'au niveau des first picks, je sais jamais quoi prendre. Petit Ragdoll, parce que je me dis qu'on de l'aura, c'est pas mal. Devaraja, j'aime bien aussi. Et là, ça draft. Les gars, ça draft
terrifiante. Excusez-moi, mais ça, c'est terrifiant. Je vais te banner là, je peux pas. Il banne les gangs. Et là, bah, je vous dis, c'est compliqué. Je sais que heureusement, les gens jouent une Laura qui joue avant. Voilà. Bon, bah, du coup, malheureusement, on joue ensuite ici, mais on se fait rien du tout. Voilà. On va se faire full CC. C'est super compliqué. Ah, ouais, c'est complexe, là. C'est très complexe. Il va me donner beaucoup d'ATB ici avec le skill 3. Franchement, là, c'est très complexe. En fait, là, la seule façon que j'ai de gagner, c'est. D'ailleurs, il fait une erreur. Hein. Vous voyez, là, il bombe ici la Vanessa. Il n'y a pas lieu d'être. Il devait juste aller bomber mon Devaraja. Mon seul out pour gagner cette game, c'est Devaraja. Là, bon, il reproc, voilà, pas de soucis. Du coup, bah, moi aussi, je me dis, j'ai le droit à proc violent, moi aussi, non? On va tuer la Nikki qui est la menace. Le petit proc qui arrive avec Devaraja. Donc, on peut commencer à cesser tout le monde. Pouf, voilà. Bon, on rate sur la Laura, malheureusement. Du coup, il peut skill 3. Pas beaucoup de réussite de notre côté. Après, il a fait un petit misplay. Honnêtement, je pense qu'il aurait juste bombé tranquillement mon Devaraja. Je ne peux pas gagner. Mais bon, il a décidé de me donner une chance de gagner. Et écoutez, moi, je vais la saisir. Voilà. Il va faire skill 2. Il va rien me cesser. Très bien. On va pouvoir se remettre en posture de foudroyeur. Retourne tout le monde. On sait que la spell. On a l'ignore def. On va aller sur la Laura. On a petit proc. Voilà. Bah, c'est gagné. Hein. Et au final, on s'en sort. Le Devaraja qui a juste legit solo la game. Incroyable. Alors, on a fait une ou deux petites loses inintéressantes. Du coup, je ne mets pas dans la vidéo ici. Draft suivante. Évidemment, First Pick Neftis. Je me doute qu'il a Tianlang. En plus, je me rappelle quand je faisais cette game, je me disais. Bon, si tu fais Speak Nefsis, c'est que t'as Tianlang. Je prends deux mobs qui se font counter par Tianlang. Et évidemment, il sort le Tianlang. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec ma compo, c'est que Devaraja est un excellent CC contre les Zenizek. Ça, c'est plutôt pas mal. En fait, je peux tout CC, même si Zenizek cleans, bah, il y a quand même encore le taunt de tour, et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et les slows, tout ça, tu vois, voilà. On a les taunts qui restent en place. Bon, évidemment, on n'a pas réussi à taunt le Bayek Feu. Bon, il tente le skill 2, il le rate, ça c'est bien. Il va proc violent avec sa Neftis. Il y a pas mal de silence, bon, ça sert pas grand chose. On va reset du coup cette Neftis. Hop. Et on va faire skill 2 pour cycler. Et on va aller taper évidemment, voilà, ce Zenizek. On veut le tuer le plus possible. Hop. On va les reset. On va rater les resets, pardon, sur Bayek. Et il va proc violent. On va mettre des bons petits dégâts. Là, ce talent n'est pas spécialement en forme. Là, notre out pour gagner, c'est Devaraja. Et là, il le voit pas. Et du coup, on va proc, hop, on va taunt. Bon, il le voit pas, il pouvait pas vraiment l'empêcher, hein, j'allais dire, avec les Neftis, même s'il faisait ce qu'il y a, ça changeait rien du tout. On a un petit proc ici, on va juste mettre full dégâts, voilà. Nous, l'objectif, c'est de tuer, hop, là, le Zenizek. Nos procs de Oliver ne servaient pas à grand chose en soi. On met la bombe sur Bayek, on va continuer à taper sur le Tianlang qui est low HP. Et on va aller le tuer le plus vite possible, et dès qu'il est mort, bah, c'est gagné. On cycle pour se libérer du break def et de l'anti-heal. Hop, on tue tranquillement, et à ce stade-là, tu ne peux plus gérer ma compo. Devaraja qui à nouveau a fait un taf monstrueux. Ensuite on retombe contre notre petite pote Mina qui décide cette fois-ci de ne pas troller et prendre le first pick Janna. Il le prend en deuxième rota, du coup bah, je reprends les gangs, pas de soucis. Petit CC, on teste au speed. Et là il m'embête hein, parce qu'il prend mon triple Nemesis, il le sait. Donc moi je prends un autre triple Nem, enfin c'est un double Nem, mais du coup il est en wheel. Donc en fait je me dis soit j'ai Elite 33 et Shir et joue de speed. Soit j'ai un lead 24 et gang. Donc du coup, s'il me strip, j'ai le Nemesis plus le boost ATB des gangs. Et du coup, mon tableau peut cut. Voilà. Donc il va faire skill 2 ici. Moi, à sa place, je pense que j'aurais limite été sur le gang hein, au niveau du ban. Mais bon, c'est pas grave. Il va faire skill 2. Donc en fait, là, ça va m'y souhaiter sa part. Parce que bon, tu fais skill 2 avec le Moussa, tu me strip, puis tu me debuff. Du coup, tu me boostes toute ma team de 20%. Et je pense qu'ici, j'aurais plutôt ban à sa place le gang ici. On va pas ce mytho. Et bah, là, il a quitté direct. Il s'est rendu compte de son erreur. Allez, ensuite, petite draft suivante, First Pick Sagar. Moi, je passe sur Chandra Velajuel. Je deny juste le Chandra Velajuel parce que ça me saoule. Et on tombe contre un gars qui joue un petit Ebae. Et je pense qu'il va m'exploser, si je me souviens bien. Voyons voir comment ça va se passer. Ouais, parce que j'ai pas de strip, en fait. Je vais rien faire à l'open, il va m'exploser. C'est quoi, je vous laisse la game avec Ebae. Je crois que c'est celle-là. Ou je vais juste... Non, ah, c'est peut-être pas celle-là, en fait. Je vais juste all-in son show. Mais je pense que je me fais exploser, non? Oh, je me souviens même plus, les gars. Si, je pense que je me fais démolir. Attendez, je regarde. On focus à gauche. Il va faire skill 3, je pense. Il va avoir le proc. Ouais, break def. Et là, avec le Teba, il va m'exploser. Voilà. Là, on tente le taunt. Mais bon, ça sert pas grand-chose. Et là, ouf! Il m'explose. Oh, c'est un truc de fou. En vrai, Teba, c'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup le mob maintenant. Pas mal du tout. Alors, regarde, regarde derrière les dégâts. Il m'a explosé. Et là, je pouvais plus gagner. J'ai quitté. Allez, ensuite, draft suivante, First Pick Han. Voilà, je me suis dit, en fait, la game d'avant, ouais, le Han n'était pas bon. Du coup, c'est quoi pour me punir? Je First Pick Han, voilà. Et je pars full LD, parce que je vois qu'en face, il s'amuse aussi.
Bon, par contre, sur l'aspect qui est nul, j'ai pas de Wedge déjà le premier tour. Ou bien non, j'ai pas le premier tour, mais je cut quoi. Donc il va, parce qu'il y a Ragdoll quoi. Voilà, donc il va faire son spell avec son Van Cleave, je cut. Et moi, je vais juste all-in ici à gauche. Hein. Alors tu vois que mes break devs durent deux tours du coup, puisque bah forcément, Van Cleave counter s'aimé. Voilà, un counter s'aimé, insane. On va prendre un gros skill 3 dans la tête, là, t'as fait assez mal. Voilà, bon, on va quand même pouvoir cut. On va faire skill 2 pour protéger le Ragdoll. On va aller taper évidemment le Carlos. On n'arrive pas à le tuer, ça, c'est pas de chance. Parce que là, du coup, il va me tuer, voilà. Et du coup, prendre ses stacks. Voilà. Là, je sais pas pourquoi il fait ça. En vrai, moi, à sa place... En fait, là, vous voyez, il fait ça. Bon, il se tue. Mais moi, à sa place, là, en fait, je pense que j'aurais... En fait, garder le skill 2 pour all-in mon Devaraja. Je sais pas pourquoi il a pas fait ça. Et en fait, là, le Devaraja, il rebond trop fort. Le Devaraja est en train de solo, là, maintenant. En plus, il y a 3 mobs d'arc. Du coup, quand je fais un skill, là, je tape les 3 mobs. Hop, on peut retourner à nouveau. Et Devaraja qui solo la game derrière. Insane. Ouf, les gros dégâts. Allez, ensuite, first pick en haut. Je change de first pick. Ça part sur du Laura Bergil. Oh, très fort, très très fort. Et en vrai, j'aurais dû prendre des gangs ici. J'aurais dû prendre des gangs ici, je pense. Mais bon, pas grave. Là, je banne Bergil. Je me dis que le match, c'est pas si menaçant que ça. C'est Bergil qui m'embête. Et il va avoir le premier tour. Mais bon, je vais cut avec mon... ma Cassandra. Voilà, parce qu'il met des bons dégâts. 4 cassacs par état. Rendez-vous compte des dégâts. Ouf, on one-shot du coup la Laura un-CD. Il va sûrement, malheureusement, il n'arrive pas à la stun. On va mettre le break d'affiché à gauche. On va mettre la bombe. On va stun tout le monde. Ouf, voilà. On va se faire détruire notre ange. On va faire skill 3 pour cycler. Hop. Et on va aller mettre les stuns. Plus remettre les CD de notre Cassandra pour aller tuer à droite le Oliver. Voilà. On a le mal qui est sur le départ. Et à ce stade-là, bah, on peut juste aller taper le Julian. C'est gagné. Petite game plutôt clean, je trouve, ici. Allez, ensuite. First pick Devaraja, parce que j'adore ce mob, c'est vraiment mon mob préféré, je le dis à chaque fois, mais j'adore ce mob. Ces mecs qui synergisent très bien avec Janna. Alors demain, je suis pas certain de son pick ici, mais bon. En vrai, la petite Irène là, elle est pas mal ici. Vous allez voir que j'aurai un petit peu de réussite à l'open. Donc on va cesser tout le monde, mais tu vois qu'il va cut, parce qu'il est en Nemesis. Du coup, je peux pas reset, et là, voilà, il va foirer, hop là. Et ça, ça me met trop bien, parce que du coup, ben, je peux aller reset en fait, voilà. Bon après on avait comme le Devaraja qui allait pouvoir cesser des trucs tu vois, mais il aurait pu juste skill 3 tranquillement avec Sashisuka aussi, ça aurait été menaçant pour moi, mais bon. Là on peut juste tout taunt, on va aller research le CD du Devaraja. La Irène qui a du coup plus de spells va faire skill 2. On veut tuer nous le Zenizek le plus vite possible, parce que c'est la sustain, c'est un peu embêtant. La Shisuka du coup qui est pas reset, hein. J'ai reset plutôt préféré la Douman, parce que la Douman bah, elle me met une marque qui m'embête vraiment beaucoup. Irene qui a déjà son spell prochain tour. Nous, on continue à taper ici à gauche. On a un petit proc ici. On peut aller reset maintenant la Shisuka. Hop, on enlève notre glancing. On peut taunt tout le monde. Et à ce stade-là, c'est gagné. Un peu de réussite ici quand même. Enfin, on a l'avant-dernière partie. Donc, c'est le même que tout à l'heure là qui jouait des grosses cleaves là. Et il m'a volé moi. Du coup, je vole la Nikki. On part toujours sur des full LD. Hein. Voilà, moi, je lui demande de m'en supprimer ici des LD. Petit move, je voulais un strip qui est un lead 24 pour outspeed en mode je one-shot. Enfin, je ban, pardon, juste au chat. Voilà, donc il joue premier avec ses mobs, très bien. On va faire skill 2 nous ici, voilà. Et on va aller faire le skill 3, hop. Des petits dégâts sympatoches, on va tout taunt. Hop, voilà. Voilà, là il va se tuer tout seul, ou presque, voilà. Et bah, c'est gagné, hein. Écoutez, qu'est-ce que je vous dis. Voilà, hop là. Et enfin, la dernière game que je vous propose, je vais... jouer contre mon Nemesis, je ne peux pas battre ce gars-là. Ce mec-là a en fait une Sonia qui est beaucoup trop forte. Je n'arrive pas à le battre. Sa compo est giga. On dirait pas, hein, mais elle est giga, giga forte. Ma draft est un petit peu faible aussi en passe mytho. Je ne sais pas comment le battre ce gars-là. En fait, il a vraiment une box, il me bat. Il faut se dire, en fait, il a tous les mobs. Il a Laura, il a Bergil, il a Tien, vraiment beaucoup de mobs. Du coup, forcément, bah, en compte tenu de tout ce qu'il a, bah, j'essaie de m'adapter, mais c'est très compliqué. Là, tu vois, je me dis, bah, avec le Mewang, je peux peut-être solo. Bah, regardez un peu les dégâts que mon Mewang, un prof, a, toute ma team a pris. Juste, il a mis 2-3 petites AOE et ma team est morte en fait. Je pensais pas que je tankerais pas à ce point-là. Le gars a juste trop de dégâts en fait. Je prends juste trop de dégâts. Je me fais atomiser. Bon, j'ai pas de proc violent ni rien, il en a eu, d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que. Genre, juste, il y a trop de dégâts et je peux pas tanker avec mes mobs alors que mes mobs sont bien ruinés, c'est incroyable. Et du coup, voilà, on termine bah, dans le jeu 3, tranquille, petite session d'RTA deux reprises après les vacances. Je me suis bien amusé. J'espère que toi, t'as kiffé cette petite vidéo. J'espère en tout cas que c'est le cas. Si c'est le cas, ben, n'hésite pas à t'abonner au petit pouce bleu. Et ciao ciao les potes, c'était Tito.